We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Distinguished ladies and gentlemen, dear colleagues, it's a great pleasure for me to be Chers here amis, with you. C'est un plaisir pour moi de vous d'être avec vous aujourd'hui. Un grand plaisir pour nous de nous pencher sur le programme de cet IGF 2021. Ce colloque concernera les investissements, investissements dans le développement des techniques numériques et la construction de la liberté sur le réseau. C'est la première fois que la Pologne accueille l'IGF. C'est la 16e édition de l'IGF. Nous nous sommes réunis, sont réunis ici les décideurs, les gens qui prennent des décisions. Nous allons avoir l'occasion de les écouter directement aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'être ici et d'avoir avec nous le ministre d'État de Madame Julia Ali Mardi, ministre d'État à l'innovation et à la technologie en Éthiopie. Avec nous également Madame Teresa Czerwińska, vice-présidente de Madame Maria Francesca Spatolisano des Nations Unies, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de Lettonie. Nous allons écouter un bref film. C'est un film enregistré par M. Dmitri Chernyshenko, vice-premier ministre de la Fédération de Russie. La Russie accueillera le sommet de l'IGF en 2025. Il ne fait aucun doute que la transformation numérique est un sujet important, c'est celui dont nous nous occupons aujourd'hui. C'est un processus complexe qui a des implications pour le développement économique et le développement de la société, avec de nombreux défis aussi. La pandémie de Covid-19 a mis en exergue de nombreux effets négatifs, notamment pour les entreprises. Les entrepreneurs ont été confrontés à une nouvelle réalité virtuelle. Conformément au rapport préparé par la Banque mondiale en coopération avec l'Agence polonaise de développement de l'entreprise, 32% des entreprises polonaises ont commencé à avoir recours ou ont augmenté leur recours à Internet et aux techniques numériques. On a des plateformes numériques pour les entreprises. Les entreprises utilisent aussi les réseaux sociaux. Donc tout cela, ce sont des processus dont nous sommes témoins au jour le jour. Je voudrais commencer par une question ouverte que je vais poser à tout le monde, à tous les participants. En vous basant sur votre expérience, quels sont les défis auxquels nous faisons face maintenant pour ce qui est de la transformation numérique? Sur quels sujets aurons-nous besoin d'intervention juridique? Le temps est limité malheureusement et nous avons beaucoup de... la distribution est impressionnante, donc merci de vous limiter à 3 minutes dans vos interventions. Nous commencerons par vous, Madame Julia Ali Mardi, ministre de l'Innovation et de la Technologie d'Éthiopie. So maybe I will handle the voice to me. Yes? Okay. So the floor is yours, Minister. Alors, en vous basant sur votre expérience, quels sont les défis en ce qui concerne la transformation numérique pour les années à venir? Votre sentiment personnel, votre opinion là-dessus,
Et sur quel sujet pensez-vous qu'on aura besoin d'intervention juridique? D'accord. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez, la transformation numérique est un voyage en soi. La transformation numérique est un voyage dynamique, rapide, un voyage qui demande l'engagement de diverses parties prenantes, un engagement multilatéral. Nous devons donc tous remarquer et apprécier à sa juste valeur ce besoin de transformation, ce besoin de transition numérique. En Éthiopie, nous avons choisi une stratégie de développement en matière de numérisation. C'est une stratégie qui s'appelle la stratégie 2025, puisque c'est l'horizon 2025. L'idée étant de prendre des mesures courageuses et rapides pour faire en sorte que la transition numérique soit possible. Car si nous ne maîtrisons pas très vite les techniques numériques, eh bien, hélas, nous ne pourrons pas jouir des possibilités de développement qui sont offertes par ces outils. Si nos infrastructures ne sont pas au niveau et si la connectivité n'est pas satisfaisante, nous ne pourrons même pas rêver de cybersécurité ou d'une formation tout au long de la vie en matière de techniques numériques. Ce qui peut être un problème essentiel, effectivement, c'est l'absence de cadre juridique qui viendrait réguler la transformation numérique. Il y a un autre facteur important que je voudrais mentionner, qui est l'importance de leadership. Il faut utiliser le potentiel que représente la transformation numérique, mais les chefs d'État doivent prendre des engagements tangibles et contraignants, allant dans ce sens. Nous avons besoin de modifier notre mentalité, notre façon de penser, notre façon de réfléchir. Nous avons besoin de chefs d'État et de décideurs engagés. Souvenons-nous à chaque instant que le risque, c'est de ne pas saisir la complexité du sujet. Et nous avons vraiment besoin d'une approche critique de la part des preneurs des décisions et des parties prenantes les plus importantes. Je considère donc que si notre approche devait pécher par manque de courage et de rapidité pour ce qui est de la transition numérique, je pense que nous risquons de ne pas rencontrer le succès. Donc, soyons rapides, soyons courageux, créons un écosystème d'entreprises hospitaliers, accueillants. On a besoin aussi de politique, on a besoin d'un cadre juridique qui viendrait accompagner la création, l'innovation et l'esprit d'entreprise dans les nouvelles technologies. Tout cela exige une approche multilatérale. Lors de la mise en application de nouveaux outils juridiques qui viendront accompagner les investissements dans l'entreprise, dans les entreprises liées à la numérisation. Voilà les défis que je vois devant nous pour les mois à venir. Merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre. Merci pour ce point de vue éthiopien. Vous avez souligné plusieurs fois l'aspect multilatéral, l'engagement multilatéral. Il me semble que c'est effectivement un aspect important. En 2022, l'année prochaine, justement, nous serons en Éthiopie. Vous serez l'hôte du prochain IGF. Et je vais maintenant donner la parole à la vice-présidente de la Banque d'investissement, Madame Teresa Czerwińska, Banque d'investissement européenne. Merci de m'avoir invité à participer à ce colloque. C'est un plaisir pour moi de pouvoir représenter la Banque européenne d'investissement devant un parterre aussi impressionnant. La Banque d'investissement européenne, le groupe que je représente, la structure que je représente, et puis le secteur de la banque d'une manière générale, est la plus importante organisation financière multilatérale. Nous apportons des financements à l'innovation. Nous finançons l'adaptation au changement climatique, nous finançons la transition numérique à hauteur de 77 milliards d'euros
par an. Et nous considérons que des sommets tels que celui auquel nous participons aujourd'hui sont particulièrement importants parce que la reconstruction, la relance économique, la reconstruction de l'économie européenne demeure pavée de doutes. Et la numérisation est un facteur qui peut nous aider et à dissiper les doutes ou à limiter les doutes. C'est pourquoi je suis très heureuse de participer à ce colloque et de représenter la Banque européenne d'investissement. Notre avis est qu'il existe des défis absolument cruciaux pour ce qui est de la transformation numérique. D'abord, le premier défi, c'est le gouffre qui existe entre l'Europe et le reste du monde et les autres grandes économies. Le fait que la numérisation soit inégale, d'ailleurs la numérisation, elle est inégale, il y a des inégalités aussi au sein de l'Europe. D'ailleurs, moi je vais partager un point de vue assez européen aujourd'hui, mais nous avons beaucoup de partenaires qui sont actifs sur d'autres continents. Cela étant dit, pour en revenir au gouffre numérique, ce que nous voyons et disons aujourd'hui, c'est que la numérisation joue un rôle absolument crucial en tant que processus qui permet d'autres innovations, en tant que processus qui est moteur de développement. Et en même temps, la transformation numérique, elle demande des investissements. La numérisation est gourmande en investissement. Le gouffre qui existe, que je mentionnais, le gouffre qui existe entre l'Europe et les autres économies primordial au monde, c'est 1% de PIB par an. Donc il y a un gouffre de financement. Il est absolument évident pour nous que le besoin en technique verte, en technique numérique, va être un moteur de changement de plus en plus important dans les années à venir. Ce dont nous avons besoin pour rendre possible la transformation verte, ce sont des changements structurels. Nous avons besoin de vastes et audacieux programmes d'investissement. C'est pourquoi la coopération entre les différents acteurs, fût-il privé ou public, est absolument indispensable. Bien entendu, le gouffre numérique n'est pas notre seule crainte. L'Union européenne souligne également la nécessité d'évaluer le degré de numérisation dans diverses régions du monde et sur divers secteurs. Dans divers États membres, nous savons que le niveau de numérisation est souvent inférieur à la moyenne de l'Union européenne. Dans certaines régions, nous avons vraiment besoin d'une véritable aide, d'un véritable soutien. Grâce aux investissements, cela devient possible. Nous voulons augmenter les investissements qui sont apportés à certaines régions de l'Union européenne. C'est pourquoi notre groupe, notre banque, la Banque européenne d'investissement, la Banque de reconstruction et de développement, et puis c'est une coopération avec la Commission européenne aussi. Nous avons mis en place un programme d'innovation numérique et nous espérons que ce type de coopération permettra une réelle transformation numérique ainsi qu'une transition verte. Et là, je reviens à votre question sur les plus importants défis qui nous attendent, qui se profilent à l'horizon. Moi, j'en nommerai un pour commencer, c'est le gouffre numérique. C'est un gouffre numérique qui est un gouffre financier, en fait. Donc c'est pour moi le double défi. Mais je citerai aussi la différence, les gouffres qui existent entre certains secteurs et entre certains pays. Merci beaucoup. Merci, madame, pour votre point de vue. C'était le point de vue, je le rappelle, de la Banque européenne de développement. Nous avons évoqué les aspects financiers. Nous reviendrons aux aspects financiers d'ailleurs. Je voudrais maintenant donner la parole à madame Maria Francesca Spatolizano, qui travaille aux Nations Unies et qui est responsable des aspects techniques, technologiques. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est pour moi un grand plaisir d'être ici. Je suis heureuse de pouvoir prendre la parole devant ce parterre
ce parterre de gens présents, mais je sais qu'il y a aussi des participants en ligne. Nous avons entendu de nombreux commentaires concernant Nous avons entendu des représentants du gouvernement polonais ce matin, mais aussi des gens des Nations Unies. Et ce qui a été souligné à plusieurs reprises, c'est l'importance de voir, de saisir les opportunités et les dangers qui sont représentés par la transformation numérique. Je ne voudrais pas répéter ce qui a déjà été dit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aux Nations Unies, nous faisons tout de notre mieux pour accompagner les différents pays de manière à utiliser les outils numériques pour assurer la prospérité de tous, ou du plus grand nombre, en tout cas, pour réduire les inégalités que nous observons encore dans diverses parties du monde. Grâce aux outils numériques, grâce aux nouvelles technologies, nous voulons minimaliser les risques et les dangers et saisir les opportunités qui sont représentées. Voilà notre objectif principal. Bien entendu, les nouvelles technologies vont de plus en plus déterminer, tracer la voie du développement des pays développés et des pays en développement aussi. Il nous faut créer un cadre législatif mondial, processus qui a déjà été lancé d'ailleurs dans différents endroits, parce que vous avez parlé de cadre juridique, vous avez parlé de réglementation. Je pense il y a déjà des outils juridiques qui sont en vigueur, qui sont mis en application. Parfois c'est basé sur des bonnes pratiques du secteur privé, parfois c'est un côté un peu plus droit coutumier, si vous voulez, et parfois c'est plus descendant, parfois ce sont des outils juridiques qui ont été imposés par des États. Mais l'important, c'est que tous puissent compter sur un respect en ligne. L'être humain doit être respecté en ligne comme dans la vie. Et ça fait écho aux questions de liberté, liberté d'expression, etc. Mais là aussi de sécurité. Donc ça demande des investissements dans les infrastructures. Il nous faut aussi former comme il le convient, les employés pour que le changement soit possible. La vice-présidente de la Banque européenne d'investissement a pris la parole il y a quelques instants. Il a été question de propositions de cadre juridique introduites par rapport à la numérisation. Vous savez, nous savons avec joie que nous recevons ce type d'informations, parce que ce sont des évolutions positives. Bien sûr, chaque fois qu'il est question de cadre juridique, il faut définir les choses pour savoir de quoi on parle. Il faut savoir ce qu'on veut réglementer et pourquoi on veut réglementer ceci ou cela, et à quel niveau. Est-ce que ça va être au niveau national, ou au niveau régional, ou au niveau international, ou au niveau mondial? Nous, aux Nations Unies, considérons que les nouvelles technologies, Internet, sont un espace qui demande des mesures mondiales. Et nous voulons, dans le cadre de l'ONU, créer une plateforme de débat sur de nouvelles lois, sur de nouveaux outils juridiques, de manière à pouvoir trouver un consensus mondial qui nous permettrait de créer un cadre juridique mondial basé sur les valeurs qui sont les nôtres. Le secrétaire général a présenté un plan de développement de coopération numérique. Comme vous le savez, la coopération sera multilatérale et permettra de mettre en application les éléments les plus divers, tous les éléments de cette vision. Nous voulons que la toile soit un espace de sécurité, mais en même temps de liberté, un espace ouvert pour tous. Les autres entités des Nations Unies ont également jeté les bases d'une coopération autour de l'intelligence artificielle, on a aussi l'Union internationale des télécoms qui travaille sur le sujet. Et j'ajouterai rapidement, si vous me le permettez, une chose, à savoir que en septembre, le secrétaire général a présenté sa vision dans un rapport intitulé « A Common Agenda », notre programme commun, rapport dans lequel vous pourrez trouver les aspects les plus importants concernant la technique, la transformation numérique
et notre préoccupation qui est de placer l'humain au cœur de toutes les décisions. C'est un document très important. On y mentionne bien sûr le Global Digital Compact. C'est un accord mondial dont je parlerai plus tard. Merci beaucoup. Un commentaire très important concernant les nouvelles réglementations. Nous allons discuter au niveau européen, car il y a de nouvelles, des projets de nouvelles lois qui apparaissent au niveau européen, notamment concernant les services numériques, l'intelligence artificielle. Nous parlons de la liberté d'activité business en ligne, etc. Maintenant, je demanderai à M. Olivier Dier, ambassadeur français pour les technologies numériques. Vous avez beaucoup d'expérience, on l'a entendu hier déjà, de l'expérience de coopération avec les entreprises. Donc, c'est avec grand plaisir que nous vous écouterons. I suggest you to take your devices because I will speak French. Et je vais parler français, d'abord parce que nous sommes accueillis par l'ONU et nous avons une traduction de très grande qualité que je remercie. Et ensuite, et c'est important parce que si nous voulons fabriquer cette transformation numérique, il me semble essentiel que chacun puisse venir avec sa pensée, son imaginaire, sa culture, et que nous entrions avec toutes nos valeurs et toute notre diversité dans le monde qui vient. So, j'ai attendu que tout le monde prenne son device. Pour répondre à votre question, je vais partager avec vous une idée très simple. Il y a 50 ans, quelques visionnaires, souvent académiques, ont imaginé Internet. Et ils ont créé pour l'humanité la plus grande plateforme d'innovation, d'accès à la culture, de coopération, de croissance économique dont nous avions jamais rêvé. Cet Internet, c'est notre bien commun le plus important et il a changé le monde. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons à faire face à de grandes difficultés. La première, on en a beaucoup parlé ce matin, c'est le déséquilibre. Le déséquilibre dans l'accès à Internet, mais aussi le déséquilibre dans le contrôle, par exemple la maîtrise de l'intelligence artificielle, et peut-être aussi le déséquilibre dans ce qui est du commun et ce qui est recapturé. Et je crois qu'il nous importe à tous de conserver du commun, un cœur public de l'Internet, des modèles pour éduquer l'intelligence artificielle, des données publiques, etc. Donc le premier danger, c'est le déséquilibre. Le deuxième danger, c'est le détournement. Nos amis anglo-saxons disent la weaponization. Oui, il y a des cybercriminels. Oui, il y a parfois des États qui attaquent les infrastructures, qui manipulent l'information. Et il faut trouver des solutions à ces problèmes. Le troisième danger, disons-le, on ne l'a pas encore assez dit, je trouve, c'est que parfois, les modèles économiques de certaines entreprises dégénèrent. Et j'aimerais qu'on entende d'ailleurs que ce n'est pas Internet qui crée les fake news. C'est les réseaux sociaux, c'est des entreprises qui ont des modèles économiques qu'il faudra réguler. Mais après tout, on a régulé l'industrie, on a régulé l'automobile, on a régulé l'aviation, on a régulé en fait la plupart des grands secteurs industriels. Il faudra réguler les secteurs des réseaux sociaux. Et le défi, pour répondre à votre question, monsieur le ministre, c'est assez simple, c'est trouver les bonnes régulations qui respectent ce premier Internet libre, ouvert, décentralisé, neutre et unifié, qu'il protège et qui soient les régulations de l'état de droit, les régulations multi-acteurs, multi-parties prenantes, multilatérales et surtout respectueuses de l'état de droit. Parce qu'on entend beaucoup, beaucoup de mauvaises solutions aussi quand on parle de régulation d'Internet. Et je vais peut-être terminer avec ça. Il y a un essayiste et pamphlétaire américain qui s'appelait M. Merkin, et qui disait, face à tout problème complexe, il existe une solution simple, claire, mais fausse. Alors, ne trouvons pas les solutions simples, claires, mais fausses. Merci. Thank you, Ambassador. Thank you, Ambassador. So it's really important to regulate, but always not to over-regulate. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur.
Donc les réglementations sont préconisées, mais ne vont pas surréguler, ce qui ralentirait le développement du monde numérique. Donc il faut pondérer les deux aspects. Alors maintenant, je demanderai la voix à M. Viktor Makarov, envoyé spécial pour les questions numériques du ministère des Affaires étrangères de la Lettonie. Pour cette introduction que vous avez parlé, vous avez dit combien la pandémie était difficile du point de vue des entrepreneurs polonais. Je pense qu'en Lettonie, nous avons des expériences très similaires. Mais il y a aussi des aspects positifs. Évidemment, la pandémie a eu des impacts à long terme négatifs sur l'économie, mais elle aurait été encore plus destructive si nos entrepreneurs n'avaient pas été en état d'exploiter certains éléments de l'infrastructure numérique, comme l'accès à Internet, c'est les services publics qui ont été en grande partie numérisés. Donc, nous pouvons pousser, faire avancer encore la numérisation, mais beaucoup de choses ont déjà été faites. Les gens n'ont pas attendu, ils se sont mis à travailler. Évidemment, nous avons un grand document en Lettonie qui concerne le développement de notre technologie numérique. Je vais vous présenter les présupposés de base. En ce qui concerne la numérisation du monde des affaires, c'est un processus qui ne se passe pas dans le vide. Donc, numérisation du monde des affaires, mais souvenons-nous que ce business fonctionne dans un contexte d'une société concrète. Donc, ça concerne la société entière. Donc, le premier défi pour les entreprises, c'est l'exploitation et l'acceptation de nouvelles technologies. On a les technologies traditionnelles, mais nous avons de plus en plus de téléphones, de technologies innovantes, comme Big Data, l'intelligence artificielle et autres. Maintenant, d'autres défis qui concernent les cadres, les ressources humaines. Souvent, c'est un domaine à problème. Parfois, nous manquons de ressources. Et parfois, nous avons aussi un manque d'employés qualifiés. Donc, nous devons travailler un travail là-dessus pour améliorer les compétences et pour les élargir. Chose suivante, c'est le capital humain. Donc, parfois, l'obtention de compétences de base par les employés, mais aussi des compétences avancées en matière d'informatique, par exemple. Mais il ne s'agit pas seulement de savoir-faire, il s'agit aussi d'un contexte beaucoup plus large. Confiance, valeur et confiance en le monde numérique. Sans cela, aucune compétence, aucun savoir-faire ne sera suffisant. En Lettonie, nous devons nous vanter d'avoir un bon accès à Internet. La technologie 5G est maintenant mise en œuvre. Nous voulons que ce processus avance de plus en plus vite, et dans les 6 années à venir, nous avons l'intention d'atteindre un état où au moins 4 villes dans notre pays seront pleinement desservies par 5G. Et maintenant, les réglementations, on en a mentionné. La Lettonie est un petit pays membre de l'Union européenne. Mais nous misons sur les réglementations et nous voulons que ces réglementations rendent possible une concurrence juste pour qu'elle ne soit pas traversée, qu'elle ne soit pas rendue difficile et pour donner des chances égales aux PME pour qu'elles ne perdent pas en concurrence avec les grands acteurs. Nous espérons qu'une bonne réglementation en la matière seront mises en œuvre progressivement à partir de l'année prochaine. Nous avons aussi des espoirs qui sont liés par la France, un rôle leader dans l'Union européenne. Nous espérons donc aussi sur ce forum en Europe de contribuer à créer des réglementations plus larges.
qui sont très importantes. Et on y travaille déjà en Europe sur des textes, des éléments législatifs qui permettront aux entrepreneurs d'agir de manière plus efficace dans la zone numérique. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé votre remarque concernant la mise en œuvre de technologies numériques par les PME. Vous avez dit que ceci se déroulait un peu plus lentement que l'on aurait aimé. Donc je pense que nous devrions nous concentrer là-dessus aussi. Nous devrions veiller à ce que dans les pays membres, ce soit les PME qui se débrouillent mieux en ce qui concerne la mise en œuvre de ces technologies numériques. Dans de nombreux pays, elles font moins bien que des organes de l'administration publique, ce qui peut être surprenant. Nous avons donc atteint déjà la moitié du temps de notre discussion. Nous demandons maintenant à l'équipe technique d'afficher une vidéo avec le message qui a été adressé à nous par le vice-président de la Fédération russe. Bienvenue à tous les participants du sommet IGF. Nous sommes conscients du fait que la pandémie, malgré ses conséquences négatives, est aussi un moteur de développement de technologies numériques. Elle a une grande influence sur le développement de l'économie numérique. Les gens dans le monde entier utilisent avec grand plaisir les services numériques sur Internet. En Russie, ce secteur de l'économie se développe particulièrement vite. Les évolutions numériques sont un objectif commun pour nous tous. Tout comme l'éducation en matière de STEM, c'est quelque chose qui se développe. Nous sommes très bien, très bons dans ce domaine. Dans notre économie, nous avons des centaines et des milliers de sociétés d'entreprises informatiques. Nous créons des logiciels. Nous exportons aussi bien et des services numériques. Ce secteur se développe de façon très énergique et dans les dernières années, il a grandi d'environ 20%. On peut dire que beaucoup de choses se passent dans ce domaine et nous sommes de plus en plus concurrentiels. Nous organisons entre autres des concours à financement qui permettent de trier les entreprises qui mettent en place des solutions les plus avancées, des solutions numériques, et ce qui nous permet de les financer pour qu'elles continuent leur développement. Et nous considérons pour ce qui est de la technologie numérique, la coopération entre le privé et le public est très importante. Le cadre international juridique est très important aussi dans ce domaine. Comme vous le savez, les investissements sont très importants, mais doit être réalisé dans le cadre d'un système qui est juste pour tous. Nous avons souligné la nécessité de créer une approche commune du développement des technologies numériques de manière à assurer à tout le monde, à tous les participants de l'environnement numérique, les mêmes droits, mais aussi des devoirs. Il est très important pour nous d'éliminer les obstacles en matière de réglementation qui ralentissent le développement des technologies numériques. Il est aussi important de mettre en place des solutions qui reposent sur l'intelligence artificielle dans l'économie. Les questions éthiques sont évidemment très importantes ici aussi. Pour la Russie, le plus important, c'est de créer de l'intelligence artificielle qui placera l'homme au centre de ses intérêts et qui sera utile pour toute la société. Nous avons adopté ce qu'on appelle le code éthique en matière d'intelligence artificielle, qui a été signé par les représentants des universités, des fondations et des entreprises. Dans le cadre de ce code, on souligne les valeurs telles la transparence, l'infaillibilité, l'inclusion sociale, la sécurité et la confidentialité. Je veux aussi remarquer que la question de l'harmonisation internationale est très importante aussi concernant Internet et en particulier l'activité des entreprises technologiques. Dans ce contexte, nous regardons avec grand intérêt l'initiative du secrétaire général de l'ONU en matière de création
d'une entente numérique globale, mondiale. La Russie est ouverte pour la coopération et le dialogue avec tous les partis intéressés, avec toutes les sociétés et les autres acteurs intéressés. L'ONU a confirmé que c'est bien la Russie qui organisera le IGF en 2025. Ça sera la 20e édition. Ça sera un grand honneur pour nous. Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir chez nous. Et ce qui souligne aussi la position si forte de notre pays pendant la création de la société de l'information et des technologies numériques. Nous voulons assurer les plus grandes possibilités de participation à ce forum de manière à ce que tous les secteurs soient impliqués. Nous sommes convaincus que le forum aura une dimension pratique qui va contribuer à l'amélioration de la confiance et de la sécurité d'activer sur Internet. Je vous souhaite un dialogue constructif et d'excellents débats pendant IGF 21. Merci pour ce point de vue intéressant, effectivement. En 2025, c'est la Russie qui recevra, qui organisera l'IGF. C'est donc dans l'ordre l'Éthiopie, puis divers pays, pas tous confirmés encore, et puis la Russie en 2025. Continuons le débat, mesdames et messieurs, et voyons maintenant l'aspect entreprise. Les entreprises et la révolution numérique. Nous allons demander le point de vue des PME qui jouent un rôle très, très important pour ce qui est de la transformation numérique. Le financement est un aspect très important pour les PME. Les possibilités de financement sont larges, mais la demande est importante aussi. En effet, les investissements, le fait d'investir dans les divers aspects des techniques numériques, c'est quelque chose d'absolument crucial. Le temps nous fait de plus en plus défaut. Malheureusement, le temps passe encore plus vite que je ne l'aurais cru. Je vous demanderai donc de prendre la parole pour 2-3 minutes. Et la question que je vais poser sera ouverte. Je vais la poser à vous tous, à tous les participants de ce colloque. Les aspects commerciaux. Donc, comment inciter les start-up et les PME à mettre en application et à utiliser les techniques numériques plus qu'elles ne le font aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Des investissements publics, des venture capital, des co-investissements, une coopération entre diverses parties prenantes à l'international? Comment? J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Nous allons commencer par vous, Madame Houria Ali Mardi. Merci encore une fois, Monsieur le Président. Merci pour votre patience aussi. Avant tout, il faut dire que ce que nous voyons, considérons aujourd'hui comme des innovations, ce sont en fait souvent des projets qui ont été montés par des startups. Ce sont des startups qui ont discerné, qui ont perçu le potentiel de telle ou telle solution technique. Donc les startups, il faut les accompagner, il faut les aider dès le début de leur existence. Si vous venez en Afrique, vous rencontrerez probablement de nombreux jeunes créatifs, motivés, pleins d'idées. Ce sont les gens qu'il faut soutenir. Dans les pays en développement, comme l'Éthiopie en fait partie, très souvent, on n'a qu'un accès limité aux infrastructures, aux sources de financement et à diverses ressources qui sont absolument cruciales pour le développement numérique. Les choses s'améliorent, heureusement, mais nous sommes encore loin d'un monde idéal. L'Afrique n'est pas encore un milieu rêvé pour les PME, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Le secteur privé et le secteur public, alors quand je dis le secteur public, ça peut être le gouvernement central ou ça peut être les régions, doivent investir dans les infrastructures. Ce serait notre proposition principale. Nous considérons que les investissements dans les infrastructures énergétiques sont extrêmement importants. Les gouvernements devraient essayer de régler les problèmes d'étranglement
qui peuvent concerner directement l'enregistrement à la Chambre de commerce et d'industrie de nouvelles entreprises. Il faut trouver des outils, des innovations aussi au niveau administratif. Un fonds d'innovation peut-être, un fonds d'innovation qui pourrait permettre aux entreprises qui innovent de trouver des sources de financement. Ça pourrait nous permettre de favoriser l'apparition de nouvelles entreprises. Il serait donc bon de créer un cadre législatif satisfaisant, c'est absolument nécessaire. Et donc l'administration publique doit prendre en considération la mise en application de diverses incitations. Alors comment inciter? On peut inciter par des avantages fiscaux, on peut inciter par des subventions, par un soutien administratif aussi. Parce qu'on peut avoir parfois l'impression que quand quelqu'un a une idée formidable et voudrait la réaliser, en fait, ce qui manque parfois aux gens qui ont des bonnes idées, on croit que c'est que de l'argent. Mais c'est pas forcément que de l'argent, ça peut être aussi diverses choses. Le secteur privé devrait coopérer avec le secteur public et il faut créer un système qui permettra de régler les problèmes financiers, les problèmes juridiques et autres, de surmonter les divers obstacles en fait qui se posent sur la route des entrepreneurs qui veulent réaliser leur rêve ou leur modèle commerciaux, pour parler plus prosaïquement. Donc ça demande des investissements aussi dans la création de données. Vous savez, les données, c'est le pétrole d'aujourd'hui en fait, le pétrole du 21e siècle. Les données sont la richesse des nations. Ça veut dire qu'on a besoin de bons outils pour collecter, pour traiter, pour conserver les données. Ça, c'est un processus qui va demander la coopération de toutes les parties prenantes, coopération qui doit être menée avec sérieux, mais avec beaucoup de transparence aussi. Les données sont précieuses, je l'ai dit, et il est donc important de les traiter avec beaucoup de responsabilité et un haut degré de transparence. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de structures qui collectent des données, beaucoup d'administrations publiques notamment. Ce sont des données qui sont collectées de manière traditionnelle parfois, mais parfois de manière numérique. Ces données doivent donc être protégées, ce qui demande des mécanismes sûrs pour ce qui est de la collecte, de la conservation et du traitement des données. Donc transparence, disais-je, transparence, et puis il faut une politique d'accès et d'utilisation des données autres que celles qu'on appelle les données traditionnelles. Et ça demande beaucoup d'efforts de la part des gouvernements. Ça demande à ce qu'on utilise les données ouvertes qui, elles, peuvent permettre de développer plus rapidement nos pays. Il est, d'une manière générale, important que nos données soient ouvertes pour qu'elles puissent être utilisées par ceux qui ont des idées nouvelles, innovantes. Est-ce que j'ai encore le temps? Est-ce que je peux continuer? 30 secondes. Vous avez exactement 30 secondes pour parler quand même, pour évoquer le financement. Oui. Alors pour ce qui est du financement, bien sûr, moi je viens d'un pays en développement, donc vous savez, le financement, c'est pour nous, c'est particulièrement important, et c'est un sujet que l'on ne saurait, sur lequel on ne saurait faire l'impasse. Moi je dirais que tous les modèles de financement sont importants. Ce qui est bon, ce qui est important, c'est qu'on peut parfois choisir entre diverses possibilités de manière à ce que les entrepreneurs les plus créatifs, les plus innovants puissent travailler. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en Éthiopie, je crois que tous les modèles de financement seraient nécessaires, notamment pour les startups qui très souvent ont un problème avec le financement. Les startups qui ont des idées mais qui ne peuvent pas vraiment se développer, voler de leurs propres ailes parce que leur portefeuille est vide. Donc là, on aurait besoin effectivement d'outils. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons revenir, je pense, plus tard à la question du financement, si le temps nous le permet. Je voudrais maintenant m'adresser à Madame la vice-présidente de la Banque européenne de développement, Madame Teresa Czerwińska. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'attends votre point de vue. Merci beaucoup. Moi, je voudrais commencer ici
Comment c'est là où la ministre s'est arrêtée, en fait, puisque vous avez terminé par le financement, je vais commencer par là. Et je vais commencer par la remarque suivante, si vous me le permettez. Nous avons besoin de divers types de financement, selon les étapes de développement d'une entreprise donnée. On n'a pas besoin des mêmes outils au début, au moment de la création d'une entreprise, que 5, 10 ans ou 20 ans plus tard. Et puis les entreprises sont diverses. Donc selon l'état d'avancement de la création d'une entreprise, selon les secteurs, on a besoin de divers modes de financement. On a besoin de divers engagements, d'une large palette d'instruments financiers venant accompagner la numérisation des PME et des start-up. Alors, pour élargir un peu la perspective, nous observons effectivement des étranglements au niveau du partage des risques. Je pense aux mécanismes tels que le financement de capitaux à haut risque. Ce sont justement les outils qui vont pouvoir le mieux accompagner le développement économique, l'innovation. Il nous faut donc ici combler les lacunes, combler les retards, combler peu à peu le gouffre qui n'a fait que s'élargir et s'approfondir lors de la pandémie de Covid-19. Notre groupe tend à essayer d'offrir la palette la plus large possible pour ce qui est des prêts, pour ce qui est des garanties, pour ce qui est des divers outils d'accompagnement financier. Ce qui est important, c'est que nous joignons nos sources de financement à d'autres sources de financement, avec des outils de capital ou des instruments de l'UE qui permettent de garantir l'architecture financière, pour faire en sorte que l'architecture financière convienne à un projet donné, convienne à une entreprise donnée, parce que c'est pas du taille unique. Il faut s'adapter aux clients. Voilà donc comment nous aidons les entreprises à construire leur projet. On peut dire en fait que nous accompagnons nos clients dès le début, dès l'étape de la préparation d'un projet de création d'entreprise jusqu'au financement lui-même. Nous avons une grande expérience en matière de services de conseil, d'accompagnement technique également. Pour ce qui est des PME, je voudrais aussi souligner une chose, c'est que elles sont une priorité absolue pour nous. En 2020, nous avons accompagné plus de 420 000 PME, petites et moyennes entreprises, leur apportant un soutien financier, bien entendu. Je me souviens que c'est quand même le premier employeur, les PME. Et chaque année, nous consacrons environ 30 milliards d'euros au financement des petites et moyennes entreprises, mais aussi des start-up. Les start-up font partie des PME, bien sûr. Et je suis particulièrement fier de pouvoir apporter ce soutien aux PME et aux start-up ou aux PME dont les start-up. Il ne faut pas financer que les grandes entreprises, que les entreprises les plus connues, mais aussi les entreprises plus modestes par leur taille ou les entreprises plus jeunes qui sont appelées à grandir mais sont encore des pépites. Merci. Je voudrais maintenant poser la même question à Madame Patolisan. Cette question de savoir si on apporte assez de financement aux PME ou s'il y a encore des points d'amélioration. Merci beaucoup de me donner la parole. Merci, monsieur. Il y a une chose qui a déjà été dite, mais qui est tellement importante que je vais la répéter, à savoir que les start-up, les PME plus largement, les micro-entreprises aussi, doivent savoir quels bénéfices peut apporter la connectivité mondiale apportée par Internet, par la toile, etc. Donc il faut, pour que ce soit un fait, il faut avoir accès effectivement à Internet,
Vous savez qu'on devrait pouvoir atteindre 95% de la population mondiale, en théorie, mais en pratique, et c'est ce qui a été, c'est ce qui ressort du rapport de l'ITU, on voit qu'on a environ 3 milliards d'individus qui n'ont pas accès au réseau. Donc ces gens-là, ils n'ont pas les mêmes chances, ils ne sont pas sur la même ligne de départ. Donc là, il faut faire de la sensibilisation et il faut organiser des formations pour faire comprendre à ceux qui n'ont pas encore accès à Internet, mais qui auront peut-être accès à Internet un jour et qui seront peut-être des créateurs d'entreprises, pour qu'ils soient plus courageux, qu'ils se sentent plus à l'aise quand ils utilisent les outils technologiques. Donc c'est une question d'accessibilité. La question, c'est de voir si effectivement les PME peuvent se permettre d'augmenter de payer les frais qui sont impliqués par la transformation numérique. Je sais que le temps me fait des feux, donc je suis très général. Mais il est évident que dans certains pays, l'accès aux capitaux à haut risque est plus facile que dans d'autres. Là où l'accès est possible, bien sûr, il est plus facile de créer une entreprise, de créer une start-up et de commencer à travailler. Là où les capitaux de type venture capital sont disponibles, accessibles, eh bien là, dans ces endroits, dans ces pays, on voit qu'il y a une croissance dynamique et on dit que les investissements de ce type peuvent arriver à 580 milliards en 2021. Donc il y a un potentiel qui est absolument énorme. Mais bien entendu, sur ces marchés, qui n'appartiennent pas à ceux que j'ai décrits il y a quelques instants, là où l'accès est plus compliqué, eh bien, il est difficile de créer une start-up et de se lancer dans l'inconnu. Mais ce que je dirais, c'est que notre approche est peut-être un peu trop orthodoxe, un peu trop prudente. Vous savez, j'ai travaillé un peu à la Commission européenne, donc je me permets ce commentaire. Mais je pense que si on était plus audacieux, on pourrait plus facilement aider les pays à aider leurs entreprises, et notamment celles qui en ont le plus besoin. Donc on a besoin effectivement d'une coopération, des investisseurs privés en coopération avec le secteur public. Mais je pense aussi qu'il serait important, il serait bon d'être plus dynamique dans notre activité parce que la demande est pressante. Merci beaucoup. En Pologne, maintenant, par exemple, 70% de l'investissement du type venture capital, c'est de l'argent qui provient du budget national public. Donc c'est un soutien très important, pas seulement à l'étape très précoce, mais aussi un peu plus tard, si nous voulons donner une chance de développement aux start-up. Maintenant, j'aimerais transmettre la parole à Monsieur l'ambassadeur. Nous devons mettre nos casques, donc donnons le temps au public de mettre les casques. Entre-temps, je dirais que je me souviens d'une conférence très importante qui a eu lieu en France, Divatech, ça s'appelait. Il y était question de financer les technologies numériques. Peut-être vous pourriez rebondir là-dessus, mais ce n'est pas obligé, vous pouvez ouvrir ma question. Toujours avec l'excellente traduction. Mais très brièvement, d'abord, comme l'a rappelé Madame la Ministre, la première responsabilité de l'État, c'est les infrastructures. Et notamment dans les pays émergents, c'est de garantir un accès de tous à Internet, mais au vrai Internet. Un Internet neutre, libre et ouvert. Pas un Internet qui enferme. Et je sais à quoi je pense là. Donc celui qui permet l'innovation, la permissionless innovation, l'innovation sans permission. Parce qu'aujourd'hui, on commence à voir quand même des espèces de faux Internet qui en fait vous mettent sous la domination de l'opérateur. C'est la première responsabilité. Dans ces infrastructures, on peut en imaginer d'autres. L'identité, la bancarisation. On voit des choses extraordinaires en Inde. En Inde, où l'État
propose des infrastructures d'identité numérique, de paiement, et qui aident profondément l'économie. Et ensuite, effectivement, il faut des politiques publiques dédiées à l'économie. La France, aidée par l'Europe, a d'abord est revenue sur le, effectivement, en faisant en sorte d'avoir une industrie française du capital risque. Et là, il a fallu de l'intervention de l'État. Mais l'État n'est pas devenu capital risqueur. L'État doit faire venir des professionnels. C'est un métier très spécial, le capital risque, qui demande des experts. Mais on peut caper, financer, cofinancer, protéger, comme vous le faites. Depuis quelques années, maintenant, on passe à l'étape suivante parce qu'on parle des scale-up. Parce que maintenant, en France, on a beaucoup de start-up, mais ce qu'on veut, c'est des licornes. Et ça, c'est des questions différentes qui demandent des interventions différentes. Mais je voudrais juste terminer en disant que depuis 3 ans, nous avons ouvert un autre chapitre qui nous semble peut-être même encore plus important, c'est d'accompagner la transformation numérique des petites et moyennes entreprises. Parce qu'aujourd'hui, le gros de l'emploi, le gros de la création d'emplois, il est dans ce tissu de petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens de prendre des experts en transformation digitale, des conseils. Et aujourd'hui, on a toute une politique publique pour les aider à trouver des solutions techniques, à trouver des conseils, à se mettre en réseau pour que les très petites entreprises et les moyennes entreprises réussissent aussi à profiter de la révolution numérique. Thank you, Ambassador. I couldn't agree more because just to also give you example from Poland. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord. Je donnerai encore un exemple de la Pologne. À présent, nous sommes en cours de la mise en œuvre, probablement du programme projet européen que nous appelons Open Education Network, le réseau de l'éducation. Nous essayons de connecter 30 000 écoles à Internet, bande passante, à large bande passante. Nous voulons garantir l'accès des startups à ce Internet à haute vitesse. Maintenant, Monsieur Makarovs, Viktor Makarovs, qui nous parle de l'activité business. Merci beaucoup. Vous me demandiez comment on peut encourager les startups à innover. Je pense qu'il n'y a pas besoin de les encourager. Il faut encourager les gens à créer des startups. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est ça la clé du succès. Il faut se répondre à la question si les gens sont prêts pour créer des startups. Est-ce qu'ils veulent subir le risque s'ils sont prêts dans mon pays? Et avec grand plaisir, je réponds oui. En Lettonie, très souvent, les entrepreneurs veulent être partie de la transformation numérique, un élément important de l'écosystème économique. Mais à cet effet, ils ont besoin de conditions. Ça a déjà été dit ici que on a besoin de politiques qui réguleraient les questions de financement, de cofinancement, qui donneraient les possibilités d'encouragement financier direct. Ce que nous faisons à présent en Lettonie, on peut dire que c'est un modèle européen de la création d'un hub, le centre d'innovation numérique. Il s'agit d'endroits où les entrepreneurs peuvent obtenir du soutien du conseil en matière de nouvelles technologies, où ils peuvent apprendre les nouvelles solutions numériques. Et c'est une initiative qui se déroule sous la tutelle des autorités publiques. En ce qui concerne le financement, il faut que je sois entièrement honnête et vous dire qu'en me préparant à cet entretien, j'ai consulté les employés du secteur ICT, ICT. Ils disent le plus souvent que ce qui importe avant tout, c'est le soutien à l'investisseur, un soutien constructif. Il y a ici un scope de possibilités diverses. Parfois, les PME ont un accès plus facile au crédit, contrairement aux startups.
parce que là, on a affaire à des entreprises qui sont déjà reconnues, qui existent déjà et qui fonctionnent sur le marché depuis un certain temps. Vous, vous avez mentionné ici le capital à haut risque. Et dans le cas des startups, ce type de financement est indispensable aussi. Ce qui est intéressant, c'est que dans nos conditions, dans notre pays, et je le dis après entretien avec les représentants du secteur ICT, les sociétés ne sont pas entièrement intéressées par un investissement venant de l'étranger. Ils parlent de croissance organique. Ces entrepreneurs veulent développer leur activité business de manière autonome. Il avait aussi été question de fonds de l'Union européenne. Nous les utilisons tous. En fait, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Malheureusement, notre temps se termine. La discussion est extrêmement intéressante. Donc, je pense que vous nous permettez de prolonger ce panel. Devant nous, la dernière partie de notre débat. Donc, remarque libre. Si vous voulez rajouter quelque chose, faites-le, mais soyons concis. 30, 66 secondes maximum. Je commencerai par Madame la Ministre. Merci beaucoup. Une chose que je voudrais rajouter, c'est quelque chose que je n'ai pas dit auparavant. Le gouvernement de l'Éthiopie, il y a peu de temps, a mis en place un fonds de l'innovation nationale. Ce fonds national de l'innovation comprend différents outils de financement, Equitable Capital, Venture Capital et autres. Les investisseurs privés, donc, entrent ici sur scène à une étape avancée du développement d'une société. Et c'est pourquoi nous essayons de garantir ce soutien aussi au niveau à une étape précoce du développement de la société en coopération avec la Banque nationale et les banques commerciales. Je voulais aussi dire que comme nous serons le pays suivant qui va être hôte du sommet IGF de l'ONU, c'est avec grand joie que je vous invite à venir en Éthiopie. Merci beaucoup pour votre invitation. J'espère que nous le réussirons l'année prochaine. Madame la vice-présidente, mesdames et messieurs, la Banque européenne d'investissement remarque bien les bénéfices qui viennent de la transformation numérique. Ça a été mis en exergue par la pandémie du COVID-19 qui nous a fait prendre conscience du fait que la numérisation est indispensable pour assurer un développement durable dans les décennies à venir. Sans transformation numérique, nous ne sommes pas en état de nous développer, car le monde qui est devant nous est déjà numérique. Je voulais vous dire que au cours de l'année qui vient, nous allons nous pencher sur la meilleure manière de définir, de mesurer et sur le reporting concernant la numérisation. La Banque européenne d'investissement soutient entièrement les efforts qui veulent éliminer l'exclusion numérique. Et c'est avec fierté que je voudrais vous dire que notre soutien comprend la coopération avec les sociétés, les entreprises technologiques les plus importantes. En 2020, nous avons soutenu techniquement et financièrement les licornes et nous espérons qu'en agissant ensemble, nous pouvons garantir une meilleure vie dans le monde entier. Et très brièvement, Madame Maria Spatolizano, comme vous le savez, l'ONU s'est engagée à faire de la coopération numérique en publiant le plan de coopération numérique qui a été préparé par le secrétaire général. Nous croyons que ça doit être un processus multilatéral qui impliquera les participants représentés ici, par exemple, pendant ce sommet de l'ONU.
Quelques petits mots au sujet de l'entente globale numérique proposée par le secrétaire général. C'est une initiative connue comme Global Digital Compact. Dans le cadre de cette initiative, on a tracé les principes d'un futur ouvert, libre, concernant l'Internet. Donc, c'est des questions très complexes. Nous devons donc nous confirmer dans cet engagement pour l'amélioration de la connectivité mondiale, pour ne laisser personne en arrière. Nous voulons rendre possible l'accès à de nombreuses options à tous quand il s'agit d'utiliser les biens publics numériques. Évidemment, il faut définir les règles de transformation de données et le respect des droits de l'homme dans l'espace numérique et pas seulement offline. Nous voulons nous battre contre la désinformation, contre la manipulation sur Internet et tous les abus. Donc nous faisons appel à vous tous de coopérer pour la création de ce consensus et le sommet de l'ONU est le bon endroit pour faire de telles discussions. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, je dirais la chose suivante. Est-ce que vous imaginez le monde numérique sans Linux, sans MySQL, sans Wikipédia? Imaginons-nous un monde comme ça. Il faut que nous fassions la promotion de ces biens communs numériques, puisque nous les utilisons tous. Nous sommes consommateurs. Bien sûr, et les plateformes de type open source sont très importantes pour nous. Monsieur Makaros, aujourd'hui, je parle essentiellement de la perspective lettonne. Je voulais dire que nous sommes prêts à nous impliquer dans ces efforts internationaux et très certainement en coopération avec l'ONU et par le biais de ECOSOC, nous allons coopérer pour obtenir les objectifs de développement durable. Nous allons aussi faire part de nos meilleures pratiques, de nos connaissances techniques dans le cadre de groupes de travail de l'ONU. Ce sont des groupes de travail qui concernent les nouveaux services numériques, mais aussi la cybersécurité et la gestion de l'Internet. Et enfin, j'aimerais souligner que la gestion de services numériques doit placer au centre la dignité humaine et le respect des droits de l'homme. Sans cela, le développement numérique ne sera pas possible. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Une chose est sûre, la transformation numérique va durer, va continuer. Et nous devons être de plus en plus flexibles en adaptant de nouvelles technologies, de nouvelles solutions juridiques en stimulant les investissements. Donc je voulais vous remercier très sérieusement pour vos interventions. Merci de nous avoir fait part de vos commentaires. Je m'excuse de ce petit retard, mais je pense que ça en voulait la peine. Merci aux auditeurs. Merci de votre attention. Je vous souhaite à vous tous des débats fructueux pendant ce sommet numérique. Et nos panélistes ont bien mérité des applaudissements.